Alors, ce soir du coup, on fait une petite vidéo avec Madame Zouka du coup. Donc, je vous ai parlé de Zouka du coup il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à le fait qu'elle n'avait plus de mâchoire. Tout le monde s'est posé des questions sur savoir comment elle mangeait, comment elle pouvait faire pour respirer. Donc il faut savoir que Zouka a été opérée du coup à ce niveau-là. Donc elle peut respirer tout à fait normalement. Elle a des petits conduits qui lui permettent de respirer. Et au niveau de sa mâchoire, du coup, ça a été refait à ce niveau-là pour qu'elle n'ait plus de peau du coup qui pend et qui l'embête, qui lui fasse mal. Donc c'est vrai que ça peut être impressionnant parce que malheureusement il lui est arrivé des misères, il y a des personnes qui lui ont fait du mal. Mais malgré ça, du coup, elle arrive tout à fait à vivre correctement et puis à manger. Déjà, elle mange un peu beaucoup. C'est une petite cotine parce qu'elle sait même ouvrir les portes des frigos. Donc voilà, c'est un sacré phénomène. Alors, je vais vous montrer comment elle mange Zouka parce que c'est vrai que tout le monde se disait, bah non, elle est malheureuse, elle ne peut pas manger. Mais déjà, voilà, quand elle voit de la pâtée, déjà, elle en veut. On dit qu'on va lui couper sa petite pâtée. Madame Zouka, vous voyez, elle arrive tout à fait à manger. En fait, il faut qu'elle fasse sa technique. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que du coup, elle pousse les aliments sur le côté et elle arrive à attraper. Donc certes il lui faut plus de temps et du coup elle arrive tout à fait à manger, mais elle met un petit peu plus de temps forcément qu'un autre loulou qui n'aurait pas de soucis bien sûr. Donc elle arrive à manger toute sa petite pâtée. Et puis on va vous faire une deuxième vidéo, on va vous montrer comment elle joue parce que c'est un sacré phénomène, elle arrête pas de s'amuser. Donc là, bientôt je vous mets une deuxième vidéo du coup où je vous montre comment Zouka joue comme tout le monde.